Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé. Je sais pas, ce matin, j'ai pensé à ma mère. Voilà. Ce matin, j'ai pensé à elle. Alors, je voudrais simplement dire quelques phrases à la mémoire, pour la mémoire de ma mère, Zichrona Livracha. Vous savez que ma mère, elle avait une qualité extraordinaire. Sa qualité, elle faisait beaucoup de hesed. Elle faisait beaucoup du bien. Beaucoup des fois, elle s'endettait et pouvait le bien pour marier des gens. Ma mère, lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, elle allait à la tombe de mon père et lui parle. Il parle comme si elle parlait avec son mari. Et le même jour, elle recevait ce qu'elle voulait. Ma mère, elle était la femme de son mari, dans sa vie et à sa mort. Elle l'appelait toujours mon mari, même lorsqu'il est mort. Elle allait lui parler. Et lorsqu'elle était en colère contre lui, parce qu'elle avait besoin de quelque chose, elle allait au cimetière, elle allait à sa tombe, et lui dit, alors toi tu te reposes avec tes parents et avec ta mère, hein, et moi tu me laisses. Alors à qui tu veux que je parle, avec qui tu veux que je parle? Moi j'ai que toi, j'ai pas d'autre mari. Et pourtant ma mère, elle a eu beaucoup de demandes de mariage, et beaucoup de grands rabbins qui l'ont demandé de mariage, et ma mère elle a rien voulu savoir. Elle est restée fidèle à son mari, jusqu'au jour qu'elle est décédée. Ma mère, elle avait une qualité déjà, le fait qu'elle a laissé papa à la maison pendant toute sa vie. En général, les femmes, elles ne veulent pas que le mari reste. Elle est surveillée à la maison, toute la journée à la maison, nuit et jour. Et lorsqu'il y a un mari à la maison, nuit et jour, il y a des guerres. Mon père et ma mère, ils adoraient. Il était à la maison, il étudiait la Torah, il recevait les gens. Il y avait des moments que mon père n'avait pas d'argent. Et ma mère, il le consolait. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont divorcé leur mari, parce que lorsqu'il avait été avec lui, lorsqu'il a plu, ils l'ont lâché. Alors que, on marie, lorsqu'on se marie, on se marie pour le bien et pour le mal. Lorsque tout va bien, au Hachem, rien ne va plus, eh bien, il faut supporter le mari, il faut le consoler, il faut prier, qu'il retourne à ce qu'il était avant, et pas l'abaisser. Ma mère, lorsqu'elle avait des problèmes, elle avait une seule adresse. Je me rappelle une fois, elle n'a pas payé l'électricité. Et la pauvre, ils n'ont plus d'électricité. Elle n'avait pas d'argent. Elle allumait la veilleuse de son mari. Et lui pas. Alors toi, tu es à Gan Eden. Gan Eden, c'est la lumière. T'as pas de problème. Et moi, je suis là toute seule. Sans lumière, sans rien. Est-ce que c'est normal? Du coup, les lumières, elles sont retournées. On comprend pas. Il y avait un monsieur, le monsieur lui-même, qui a coupé l'électricité de ma mère, il est retourné, il a remis les fils. Rien à comprendre. Rien à comprendre. C'est ce qu'on appelle le tson et le avéasé. La surprise est toujours à l'écoute. Je me rappelle une fois, j'avais besoin d'argent. Je devais retourner à l'échelle en Angleterre, et toutes ces économies, elle me les a données. C'est une très belle somme d'argent. Très très belle somme d'argent de l'époque. Elle me les a données. J'ai pas de mots à dire à ma mère. Ce qu'elle a fait pour moi, c'est des choses extraordinaires. C'est des choses que je peux jamais oublier. Des choses que je peux pas oublier. Je vis avec ma mère
non-stop, tout, tout. Même mes amis Hachamim me disent que lorsque Mashiach va venir, tout le monde a ressuscité. Mais il n'y a que ceux qui ont étudié la Torah. Alors, la Gemara pose des questions, et les femmes, comment ils vont ressusciter? Et la Gemara dit, ben les femmes vont ressusciter par rapport à leur participation de l'éducation des enfants. Lorsqu'ils préparent le manger cachère au mari, lorsqu'ils vont pousser le mari à la synagogue, donc, toujours à côté d'un homme, il y a une femme. S'il n'y avait pas cette femme-là qui supporte son mari, tout ce qu'il fait, il n'aurait rien fait. Donc, ce que papa est devenu plus tard, c'est grâce à sa femme. Moi, David Pinto, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma femme qui me laisse voyager, qui me laisse ouvrir des chiffres. Elle aurait pu me dire stop, ça suffit, je veux plus. Jamais elle a dit stop. Donc, mes amis, on doit beaucoup à nos femmes. Que le bon Dieu nous protège. Et à très bientôt. Que la chère vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. Répétez, j'oublie de vous dire que Hachamim me dit que la Kadosh Baruch Hu, il a libéré les fils d'Israël de l'Égypte grâce aux femmes. Parce que les femmes, ils apportaient la bonne parole aux hommes. Alors, Marie, ils étaient esclaves, ils étaient dans le besoin, ils étaient là pour leur donner un secours. Donc, c'est grâce à eux. Donc, l'idée, elle est là. Le bon Dieu protège les créatures. نازي خوتو يا وز خوتو.